la cheminée avec le poêle pour faire à manger. C'était difficile de faire. Là, c'était leur défense, leur petit à manger. Et ici, la salle à manger. Il ne faut pas oublier qu'ils ont vécu 16 ici. Eh hey boy, il y a 16 personnes ici. En haut, c'était fermé. Okay. Et c'était la chambre à coucher. Ok. C'est sûr qu'eux, au lever du soleil, ils se levaient. Tu sais, à cette époque-là, à l'ouverture du soleil, quand au soleil, ils se levaient. Au soleil, ils se levaient. Au soleil, ils se levaient, ils travaillaient fort. Il y a peut-être l'hiver, que ça devait être plus long, là. Ouais, c'est. Ici, ils se trouvaient leur salon. Ça, c'est la photo originale, pardon, de leur mariage. Ils étaient tous touchés au cousin. Cette photo-là date de 1880. C'est là, la cadette nous en a fait cadeau, nous en a fait don, en autant qu'elle soit située là. Parce que pendant deux décennies, elle était située exactement à cet endroit-là. Ah, yeah. La photo de mariage de leur père. Ce mur-là, c'est du bois original. Ça a été passé au jet de sable, mais c'est vraiment original. Et les murs étaient aussi effectués à l'époque. Ah, ok. Puis c'était-tu aussi bien isolé qu'aujourd'hui? Non. Ouais. À l'époque, c'était beaucoup de brinquilles. Du journal, tout ce qu'ils trouvaient. Il y avait beaucoup de bouteilles de gin aussi dans les murs. Je sais pas pourquoi, hein? Ils ont tout isolé par l'extérieur, à faire qu'on construit les murs. Par là-bas, c'était la chambre des maîtres, environ à ça. La chambre des mains, et au bout, sur le mur, montait l'escalier avec un garde-robe. La dernière pièce qui se trouvait en bas était du poignard pour les jeunes bébés. Mais ils vivaient vraiment